Écoutez, voilà les amis, regardez, les voitures sont là, elles sont prêtes pour partir. Et moi, je vais rouler avec la rouge. Voilà, je vais m'installer à bord. C'est ma voiture. Quelques belles caisses ici. Ok. Et là, vous regardez, on va me préparer un casque avec une caméra. C'est okay. Parti. Need a bit more bump or rebound on the dampers to soft or to stiffer them. That's really up to you. Okay. Right. So this is just how I would start. Well, it's. I think it's a bit too short to start playing with it. Yeah. I mean, even the tire temperature will not go up that high. Yeah. So I won't touch it. C'est parti. On va essayer la GT3 RS sur circuit. Alors je fais 4 tours, dont un derrière mon moniteur. Yeah, the tires are low in the front, minus 0.3. Les 4 tours sont finis, c'était super intense, c'était vraiment un gros moment de concentration et de jouissance totale. Cette voiture est incroyable, c'est d'une efficacité, d'une facilité. Les passages de virages à haute vitesse, la voiture est collée au sol, ça va contre la logique parce qu'on se dit ça passera pas, mais oui ça passe. Ouh!
quelle expérience! Et c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que ces 4 tours, c'est fini. Mon autre chance de rouler en GT3 RS dans le futur, c'est soit d'être encore invité, soit de casser ma tirelire et d'en acheter une. Mais waouh! Quelle caisse! Écoutez, je suis vraiment essoufflé là, franchement, et pourtant je suis sportif. Mais là, le niveau de concentration, la vitesse qu'on a sur les virages, c'est quelque chose d'absolument inconnu pour moi parce que j'ai jamais roulé avec une voiture qui a de l'aéro. Et celle-ci, eh ben oui, c'est une voiture de route prévue pour le circuit qui a de l'aéro. Et voilà, ben je sais pas les temps que j'ai fait, mon avis, ça doit être pas trop mauvais, mais pas trop bon non plus. Mais voilà, c'est dingue, 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 les gars. Je sais pas si j'arrête cette vidéo ici ou si je la continue encore après, mais déjà maintenant, si jamais, je vous dis au revoir, à la prochaine. Mais c'est dingue, c'est une voiture de malade et c'est d'une efficacité de fou. Ok, allez, à bientôt, ciao. Ça y est les amis, c'est la fin de cette vidéo et c'est le moment de la conclusion. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette GT3 RS? Et évidemment, c'est une voiture exceptionnelle, hein. C'est probablement la voiture de route la plus capable sur circuit. Maintenant, est-ce qu'elle vaut tout ce tapage qui est fait autour d'elle? Est-ce qu'une GT3, par exemple, ne suffit pas? Ben, je serais tenté de dire que pour le commun des mortels, oui, une GT3 suffira parce que pour aller chercher les derniers petits carats de ces voitures-là, il faut avoir une capacité de pilotage qui n'est pas rien. Déjà, pour arriver à régler tous ces détails de la suspension, de l'antipatinage, de l'autobloquant, ça nous prendra pas mal de temps. Bon, c'est vrai qu'on a l'outil d'analyse en acquisition de données de Porsche qui est très sympa, avec lequel on peut jouer et s'amuser. Mais vous avez vu sur circuit que, bon, moi, avec un niveau de pilotage qui est pas trop mauvais, j'avais du mal à suivre le moniteur qui, lui, disposait d'une GT3. Je crois que c'était une Mantei Racing, mais bon, moteur standard. Ma GT3 RS, elle avait 15 chevaux de plus que la GT3, mais 5 Nm de moins. Et surtout, elle était plus lourde. Et comme la mienne n'avait pas le pack Weissach, je pense que je devais être 60 à 70 kg plus lourd que la GT3 devant moi. Rajoutons à ça la traînée aéro et vous aurez compris que lors des relances en sortie de virage, eh bien, la GT3 RS elle avait du mal à revenir sur la GT3. Donc voilà, je vais conclure par le fait que c'est une voiture super capable, c'est une voiture avec laquelle on peut s'amuser et évoluer. Pourquoi évoluer? Parce que justement, avec toutes ces capacités de réglage qu'elle a, elle va nous permettre à apprendre le pilotage, à apprendre à jouer avec les amortisseurs, à jouer avec l'antipatinage et avec l'autobloquant. Et que, encore en plus, grâce à l'outil d'analyse de pilotage Porsche, eh bien, ça nous permet dans le temps d'évoluer et d'avoir un pilotage qui se bonifie avec le temps. Maintenant, je dis « on ». On va plutôt dire ils, ceux qui peuvent se permettre, un, de se payer ce beau jouet, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'entre nous, et trois, d'y avoir droit, parce qu'il ne suffit pas d'avoir les sous pour pouvoir se payer cette voiture, il faut aussi être éligible, et Porsche ne veut pas trop en parler, mais entre les lignes, on a compris que si on veut pouvoir en acheter une, ben, il faut montrer patte blanche, pardon. Et ça veut dire avoir déjà quelques Porsche dans son garage. Donc, c'est un petit peu le côté triste de cette histoire. C'est que oui, la GT3 RS est magnifique, elle est fantastique, mais elle n'est pas pour tout le monde. Voilà, je conclue cette vidéo sur cette note un peu moins joyeuse, mais cette voiture est fantastique. Si vous avez l'occasion de rouler avec, allez-y, c'est du pur bonheur. Sur ce, les amis, ciao. N'oubliez pas, encore une fois, les likes, les abonnements et les commentaires. À bientôt.